Il y a comme un air de déjà-vu. Ces visages, cette ambiance me sont si familiers. Ce frisson, ce petit sourire au coin de ma bouche peuvent en dire long sur mon ressenti. Ils sont de retour. Vous les aurez reconnus, les Jokers sont à nouveau réunis. Ils ont une nouvelle mission et elle sera bien plus dure que la précédente. Cette fois, le voyage aura pour destination l'une des régions les plus enclavées du Maroc, la région de Taounet, et plus précisément Oudouar Ouled Eyed et Oudouar Etbel Hemo. Au programme, rénovation d'écoles, distribution de paniers scolaires et alimentaires. Classique, me direz-vous. Oui, mais pas totalement, car une caravane médicale aura lieu aussi au profit des habitants de la région. L'état de l'école du Douar est désastreux, et tout est à refaire. Les murs sont lézardés et dénudés de leur peinture. La moisissure a rongé le bois des portes et a envahi les fissures. L'humidité a depuis longtemps envahi les lieux. Certaines vitres ont cédé face aux aléas de la météo, et l'installation électrique, à moitié découverte, représente un danger constant aux usagers de l'école. Les toilettes, si l'on peut encore les nommer ainsi, ne sont plus qu'un dépotoir à détritus et sont laissées à l'abandon depuis bien longtemps. Le chantier est dantesque et il n'y a pas de temps à perdre. Que le travail commence. Salam alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, de l'âme, l'école qui va nous faire est dans un état qui est l'état de l'école qui va nous faire l'âme. Il y a des classes qui sont condamnées qui va nous faire, inch'Allah. مخسرين فيهم كل شيء ما فيهم لا بيبان ما فيهم لا شطرنج من الاول وان شاء الله غادي نعاودوهم من الاول باش يعاودوا يخدموا فيهم التلامذ اون بليس دو سا فيها دي تواليت اللي حتى هما لي سون كونداني غادي نعاودوهم ان شاء الله بوغ لي زونفور غادي يكون عندهم دي تواليت جداد وهاد العام ان شاء الله اون فافير بلوس ديفور وجبنا بلوس ديفيكتيف بلوس دو جوكر ان شاء الله هاد العام باش نخدموا وباش بور كونتريبيو لهاد لي طرافاي ان شاء الله Après une grosse première demi-journée de travail commencée au saut du bus, les jokers ont bien mérité une petite pause. Néanmoins, le travail ne s'arrête pas au niveau du chantier toilette. Cette première journée de travail fut longue et éreintante. Les membres sont debout depuis l'aube afin de rallier la ville de Sfro depuis Stade, un voyage de 400 km en bus.
Les travaux sont finis pour la journée. اليوم جينا في الصباح بدينا حاولنا نبداو باللي طواليت اللي كانوا في واحد ليطال اللي كريتيك بزاف. حاولنا كيما تشوف حاولنا نحكو لي طواليت, هرسنا لي سانيتير اللي كانوا عندهم واحد الريحال ما مديش القوادس, ما جبناهم غير بزز الدراري مساكن كانوا معذبين كانوا كيدوزوا كيمشيو للخلا ولي طواليت كاينين. احنا دابا غنحاولوا اليوم وغدا نحاولوا نكملوا كاع الخدمه ونركبوا دي سانيتير جداد باش دوك الدراري يقدروا يكونوا تاهما عندهم دي طواليت اللي مزيانين ويقدروا يرتاحوا فيهم. Pendant que la plupart des membres se détendent après cette journée de dur labeur, le travail continue pour le bureau de l'association. À l'ordre du jour, débriefing des événements de la journée et programmation des actions du lendemain. Et pour conclure cette journée, le bureau convoque l'ensemble du club afin de donner les directives pour la journée suivante. Donc aujourd'hui, on a pris la route vers 4h du matin donc, pour arriver ici dans ce beau village. Après 7 heures de route, c'était très fatigant, très épuisant. Mais on devait quand même commencer le travail parce qu'on a pas mal de salles à rénover. On a 5 salles au total et on a encore une caravane médicale, une caravane scolaire de prévu aussi et une distribution de paniers, de vêtements et de couvertures. Donc il fallait commencer malgré l'épuisement. Donc voilà, on a commencé. L'état des lieux, au début on s'était dit ça nous prendrait deux jours rien que pour lisser les murs. Mais alhamdoulilah, en une demi-journée ça a été fait, donc j'en suis très très fière. Et voilà, on espère juste que la suite du voyage se passe. On a une peur ultime, c'est de ne pas finir à temps, surtout qu'on a encore la caravane médicale et la caravane scolaire qui suivent avec la distribution de paniers. Donc voilà, mais on reste très optimiste et on compte énormément sur nos membres et sur leur implication. دونك الحمد لله راكم معنا دابا في لا 3ème اديسيون ديال اوني دايز. كما كتشوفوا لا بروميير جورني داز الحمد لله مزيان. اوجوردي دابا نمشيو ليكول, الدراري فاقوا مع 7:30 الصباح, راهو واجدين دابا كلشي فاطر. دابا ان شاء الله نمشيو ليكول, عندنا السباغه نبداوها وكاين الحيوطه خصهم يتقادوا. Cette deuxième journée s'annonce aussi chargée que la première et les travaux commencent très tôt le matin. Ah,
نتمنى أن يعلو اسمها عاليا وطنيا فيما تعمله بالمدارس العمومية على الصعيد الوطني عامة وخصوصا هنا بإقليم تونات. هذه الجمعية تستحق أكثر لما فعلته بهذه الوحدة المدرسية والتي تشجع الأساتذة والأستاذات وكذا التلاميذ في تحفيزهم على تفعيل الحياة المدرسية بهذه الوحدة المدرسية. بدينا لي بريباراتيف ديال الخيمه اللي قبل الكارافان ميديكال اللي غتكون غدا ان شاء الله. لي ميدسان غدا غيجيو بكري، دونك خاص الخيمه تكون واجده اليوم بالليل. غيكونوا ان شاء الله دي ميدسان عندنا في الخيمه ودي ميدسان هنا في لي كلاس، وان شاء الله يكون كلشي بخير ويدوز كلشي مزيان. الوغ اليوم كملنا الصباغه ديال لي كلاس من الداخل ومن برا، قادينا لي طاب، باقي غير دو كلاس تيكملوا في البني. اي بارابور لي تواليت سالا البلون ديال الخدمه ديالو تنقى، واليوم حاولنا اننا نديرو دي زكتيفيتي افيك الدراري باسكو كانوا عندهم دي كور لي تانولاو باش نقادو ليهم لي كلاس صافي. بارابور لهاد العام بوتيتر كو هاد العام كاين لي كلاس كبر، الخدمه كاينه اكثر، مي الحمد لله ان ليفيكتيف زعما لي سوفيزون باش اننا نقادو هاد لي كلاس في الوقت المحدد. Maintenant, la fin de journée, j'ai les travaux pour Hadnar. Donc, on a presque fini le problème, c'est que la gestion d'effectifs
تبارك الله on est à 85 membres et c'est vraiment difficile à gérer. Mais malgré tout ça, je pense que l'effectif de 85 jokers, où il y a d'autres secondes, on peut tout faire, vu qu'on a 4 jours, même pas, parce que nous sommes comme le تبارك الله عليهم لا لي زونسيان هاد العام خدموا اكثر من داك العام لا لي نوفو مامبر تاعهم تبارك الله خدموا اكثر من جهدهم و فريمون سي ديز عام على عام الجوكر ديالها فهمتي كيكونوا احسن اي جو لي ريميرسي انورميمون كاملين واحد بواحد وان شاء الله غدا تابعنا نهار فريمون كبير بزاف سي جو بو دير ليفينمون فار ديال لو فواياج هيومانيتير ديالنا اي جيسبر بيان كلشي يدوز مزيان و لي مامبر يكونوا امبليكي 100% Les différents chantiers ont beaucoup avancé et la différence se fait déjà ressentir à plusieurs endroits de l'école. Cependant, le travail est loin de toucher à son terme et il reste beaucoup d'efforts à fournir afin de finaliser les préparatifs de la caravane médicale qui s'annonce délicate, notamment à cause du nombre de personnes qu'il faudra gérer. En parallèle, il est primordial que l'aménagement et la finition des bâtiments de l'école soient terminés dans les délais impartis. Une autre journée de dur labeur prend fin à l'école du droit. Et malgré la fatigue, les jokers n'ont pas oublié de célébrer l'anniversaire d'un des membres de l'équipe, Ushama, dans la joie et la bonne humeur bien sûr. اليوم داروا لي الدراري انيفيرسير سوربريز المهم كان داكشي مزيان كلشي كان غادي مزيان حتى جات الحلوه كلشي كان مزيان داروا لي حلوه وشميعات وداكشي ما عطفينا الشمعه مع مشات الحلوه وهادشي كله عرفتي علاش حيت كيشوفونا ناصرين وما كيحملوناش Le mood est taquin dans le dortoir des garçons. On se chambre, on se snipe à coups de gâteau d'anniversaire, on rit et on se défoule. Les rires et les blagues présageaient une soirée joyeuse, jusqu'à ce qu'un événement vienne brusquement renverser la situation. Il fait nuit noire. Une réunion d'urgence est convoquée dans le bâtiment de la commune rurale. Un vent de panique souffle au sein du bureau de l'association. Car la caravane médicale est en danger. Les médecins ne répondent pas. On a dû convoquer une réunion en urgence pour préparer la logistique de l'événement, qui a déjà été mise en place en amont, mais vu les conditions, vu les changements, on a dû un peu revoir toute notre stratégie. Alors d'un côté, on est novice dans le domaine, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on doit tout penser de nous-mêmes. Certains accrochages ont lieu entre les membres
à cause du stress provoqué par la nouvelle. La nuit sera longue. Les médecins étaient très réactifs, mais à ce moment-là, ils étaient injoignables vu qu'ils étaient de garde. Donc on a, au niveau de la logistique, on a dû improviser et voir quel est le meilleur moyen de, voilà, d'être efficace. C'est vrai qu'on était fatigués, il était 2h du mat, on a fini à 3h30 du matin. On était sous pression, le fait d'organiser un événement, une première édition donc, de la caravane médicale, ça met la pression sur tout le monde. Donc, qui dit pression, dit tension, dit voilà, conflit. Et alhamdoulilah, on a pu trouver une solution. Et donc voilà, j'espère que tout se passera bien demain et que notre première édition sera, voilà, sera bien. Le soleil commence à se lever. Et la réunion arrive à son terme. Des décisions importantes ont dû être prises. Tout est rentré dans l'ordre. Il a été convenu de rentrer au dortoir afin de dormir, mais le sommeil sera de très courte durée. Il a été décidé de reprendre le travail à 6h du matin. Pas de dodo pour nos héros. Après les événements rocambolesques de la nuit dernière, entre tensions et retournements de situation qui ont duré jusqu'aux aurores, cette troisième journée s'annonce particulièrement difficile pour l'association. La réussite de la caravane médicale s'avère impérative pour la suite des événements, et chacun ressent un peu plus la pression que lors des deux journées précédentes. Les cartons de provisions et de médicaments nécessaires à la réalisation de la caravane médicale étant tous chargés, le camion entame son trajet vers sa destinée. L'équipe s'attelle à l'aménagement des salles, une autre s'occupe de la réhabilitation des toilettes. Enfin, une troisième équipe gère la tant attendue caravane médicale. Les médecins, le directeur de l'école, ainsi que les représentants des autorités locales sont là. Tout est en place pour commencer.
Aujourd'hui, c'est notre troisième jour du voyage humanitaire UNIDAYS pour sa troisième édition. Et aujourd'hui, c'est notre voyage humanitaire, c'est la base de notre voyage humanitaire. Lioma, la caravane médicale, la préparation de l'abdate, les médecins sont là. On attend la venue du deuxième pour médiatiser l'événement. Entre autres, ce soir, on a pris un crime, je n'ai pas panné. Lioma, on a une distribution pour une partie du devoir. Quoi d'autre? On a maintenant les préparations des classes. قربنا نساليو ان شاء الله وكاع لي مونبر سون اكتيف وموتيفي كلشي غيدوز ان شاء الله مزيان في هذا الفواياج Alors aujourd'hui, c'est notre première expérience les caravanes médicales. En plus de ça, il y aura les paniers, la distribution des paniers, la distribution des vêtements. Et donc tout se joue aujourd'hui et nous allons commencer inchallah tout de suite. La caravane médicale débute sous le regard vigilant de notre joker. L'événement est si important dans la région que la télévision locale s'est déplacée pour couvrir le déroulement des opérations. Les patients se succèdent et les consultations vont bon train. Médicale, on a mobilisé à peu près 10 médecins généralistes et 5 médecins spécialistes avec des pivots qui vont assurer l'accompagnement des patients vers les médecins et ainsi après vers la pharmacie. Concernant aujourd'hui, c'est un jour qui est vraiment parce que je serai la caravane médicale, je serai la distribution des paniers et le traitement en même temps à l'école Maratoukafs. Donc vraiment, on doit vraiment. مزيانة فحصوني مزيان كتر خيرهم مزيان الله يشدهم في الصحاح يعاون علي جينا كما جينا حنا للصحه الله يشدهم في صحيحتهم مبادره مبروكه مسعوده النمر واحد كيساعدونا وكيعاونونا الله يرحم الوالدين الطبيب عندنا بعيد وجات هذه القافله الطبيه ونفعتنا هنا الله يرحم الوالدين succès total pour les jokers. Aucun accro n'est venu entacher le cours de l'événement. Aujourd'hui, on a participé avec l'association CIDAYS à l'organisation de cette caravane médicale. Donc, caravane dans la région de Tchaounet. La population s'est de 200 personnes. En fin de compte, on a pu voir 300 consultations. Donc, on avait une consultation généraliste, on avait une consultation spécialisée de cardiologie, d'endocrinologie. Et notamment, on avait une consultation de gynécologie avec les examens complémentaires, notamment une échographie. Donc on était très ravis de la collaboration avec l'association CIDAYS et ainsi pour cet événement plein de volontariat et de bonnes choses pour cette population qui est enclavée dans cette région.
Et on remercie tous les participants et tous nos partenaires qui nous ont aidés à réussir cet événement. Mais pas le temps de se relâcher, car un second défi de taille attend l'association aujourd'hui. La distribution des paniers alimentaires qui doit avoir lieu dans les locaux de l'école. Les jokers entament la distribution des paniers remontés à bloc après la réussite de la caravane médicale. Dans la distribution des paniers, on a pu atteindre un nombre maximal de 200 et quelques paniers qu'on nous distribuait. Mais le challenge qui sera nouveau cette année, ou qui est de nouveauté cette année, c'est que Sidays a voulu faire une distribution de paniers juste d'avoir. طلعنا شويه في نيفو ديفيكولتي كل واحد لي زوتوريزاسيون ديالو كل واحد والناس ديالو كل واحد والناس اللي محتاجين فيه والحمد لله اليوم لا ديستريبيسيون داس مزيان قربنا ساليو كوم فو فوايي بقاو لينا غير كلكو بانيي ان شاء الله دوما لا ديستريبيسيون ديال غدا غنوزعها حتى هي تكون بحال هكا مع دي مامبر فرحانين موتيفي وان شاء الله تكون خدمه نقيه ميرسي بوكو Quelle journée! La pression retombe et les jokers peuvent enfin souffler. Ils peuvent être fiers de leur travail aujourd'hui. Quatrième et dernier jour du voyage. Une dernière grosse journée les attend, car les différents chantiers doivent impérativement être finalisés avant leur départ.
Aujourd'hui, une équipe se détache du reste du groupe afin de distribuer la seconde partie des paniers alimentaires dans un village voisin. Les paniers, au train, ou les vêtements. Voir le village et qu'est-ce qu'il fait à l'école, ou quand on voit le processus les rites à Oudlioma pour un autre village. Exactement. Inch'Allah, c'est le dernier jour. J'ai n'a jamais donné à tenir la distribution de un autre village qui me galte Inès. Donnant la distribution des huayes, les paniers alimentaires et les couvertures. Ou ça, c'est Salina et la Salina le chemin d'abord. On va se diriger vers l'école pour finaliser le travail, comme la fibra et tout. Ou fléchir, Inch'Allah, dis qu'on a un caravane scolaire. Il faut préparer les cartables, les fournitures, les stylos, les cahiers pour 90 élèves. Pas le temps de traîner, car la distribution des paniers scolaires commence bientôt. Tout le monde s'attelle à la finition. Les derniers murs sont peints, les fresques sont peaufinées, les tables, les vitres et les tableaux sont réinstallés dans les salles après avoir reçu un bon coup de frais. Et même la tuyauterie des toilettes, autrefois abandonnée, a été refaite à neuf avec des équipements décents. Et voici qu'on finalise les préparatifs de l'ultime événement de ce voyage, la caravane scolaire.
اليوم جبنا لي باني من الجماعه فرقنا مع الناس في واحد الدوار وغير الدوار اللي فرقنا فيه البارح دابا كنوجدوا لا كارافان سكولير جبنا الدراري درنا قادوا لهم في داكشي ديال اللوجيستيك وكنساوهم يدخلوا باش نفرقوا عليهم داكشي اللي خاصهم وجيسبيغ داكشي يدوز مزيان. C'est fini. C'est une réussite totale pour C-Days, qui a réussi à terminer tout le programme dans les délais. Ça n'a pas été de tout repos, et les nerfs ont souvent été à vif. Mais le résultat est là, et il est magnifique. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour du voyage, alhamdoulilah on a atteint nos objectifs. Donc on avait prévu une rénovation d'école, donc qui s'est déroulée sur les 4 jours du voyage. En parallèle on a eu une distribution de paniers alimentaires sur 2 villages, donc plus de 180 familles ont pu bénéficier de notre aide. En parallèle on a eu aussi la caravane médicale, donc on avait fixé un objectif de 150 familles. Mais alhamdoulilah on a atteint plus de 300 patients donc, qui ont pu bénéficier de la visite de généralistes, de spécialistes, grâce à la présence d'une unité mobile et aussi de médicaments, donc ils ont pu avoir leurs médicaments sur ordonnance. Enfin aujourd'hui on a eu la caravane scolaire, donc beaucoup d'enfants, plus de 100 enfants ont eu des cartables avec les fournitures scolaires qui vont avec. Aujourd'hui on a fini de voilà les petites retouches pour les salles, pour les toilettes aussi qui étaient délabrées et qu'on a restaurées entièrement. Donc voilà, je tiens à vous dire que je suis extrêmement fière de vous. Allez, mais... et que à part ça, je vous aime, vous êtes comme ma deuxième famille. Tabarakallah, la koula wahed fikoum, koula wahed khdem, koula wahed drab tamara. Je vous dis un énorme merci au nom de toutes les personnes qui ont pu bénéficier de notre aide. Donc voilà. Étrange est ce sentiment. Je marche une dernière fois entre ces murs. Je contemple le fruit de 4 jours de travail acharné. Et cela crée en moi une myriade de sensations. Jamais un aussi grand défi n'a été réalisé par l'association. Et pouvoir être témoin de cet accomplissement est pour moi un grand honneur. Et pourtant, je me retrouve à errer entre fierté et tristesse, entre bonheur et amertume. C'est inévitable. Toutes les bonnes choses ont une fin, vous connaissez la réplique. Et pourtant, j'aurais aimé que cette aventure ne connaisse pas de terme. Car oui,
Nous avons connu notre lot de frustrations et de tensions. Nous avons été même au bord de l'implosion. Mais au plus profond de la crise, nous avons su trouver la voie de la raison et nous rappeler ce pourquoi nous étions là. Chaque instant en compagnie de ces gens a été porteur de joie. Nous sommes arrivés en équipe et nous repartons en famille, la tête pleine de souvenirs et le cœur riche de nouveaux liens. Décidément, CIDEIZ saura toujours m'étonner. Je ne sais pas si j'aurai la chance de faire partie de la prochaine aventure, mais j'aime à penser que nos chemins se recroiseront. Merci pour ces moments. À bientôt les Jokers. Dip, 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 dip